Alors Roland Blum, bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier adjoint du maire et délégué aux zones franches urbaines. Oui. Les zones franches, c'est une réussite ou un échec ? Bien, c'est une réussite. Ces zones franches ont permis la création de 13 000 emplois et l'implantation de 3 500 entreprises sur deux zones, la zone nord-littorale et la zone 14e et 15e sud de Marseille. Ces zones franches ont permis la création d'emplois pour des jeunes des quartiers. La loi prévoyait 1 sur 3. Et aujourd'hui, nous en sommes à peu près à 60% de jeunes des quartiers qui ont été embauchés. C'est un bon bilan parce que chaque emploi qui est créé sur notre secteur, je veux dire, on l'accueille avec les bras ouverts. Par contre, tout n'a pas été fait pour que le bilan soit meilleur. On crée des emplois qui sont essentiellement des emplois peu qualifiés. C'est-à-dire, on veut employer des jeunes des quartiers en difficulté, qui par définition sont au chômage, mais aussi ont peu de formation. Et donc finalement, c'est en adéquation avec ce qui c'est plus, avec le besoin. Sur cet aspect-là, c'est plutôt une bonne chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à l'idée reçue, on ne lutte pas contre le chômage des jeunes sans formation en créant uniquement des emplois peu qualifiés. C'est-à-dire que lorsqu'on crée dans une ville des emplois qualifiés, voire très qualifiés, ça induit forcément dans l'activité économique des emplois moins qualifiés et des emplois peu qui qualifiés. Qui gravitent autour des voilà. emplois qualifiés. On estime par exemple que pour des emplois de très innovants, ingénieurs, etc., lorsqu'on en crée un, on a un effet de levier qui, dans les grandes métropoles européennes, est d'un ordre de 1 à 7. C'est-à-dire un emploi en crée 7 à côté. Par contre, quand on crée un emploi peu qualifié, l'effet d'induction est pratiquement nul. Voilà. Donc, mais là, dans les zones franches, c'est plutôt des entreprises d'emploi qualifié, parce que c'est pas mal de services. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les zones franches, urbaines en France, de manière générale, le niveau de qualification reste inférieur à la moyenne nationale, environ de 3 points. À Marseille, ça a coûté à peu près, pour l'instant, 400 millions d'euros, c'est ça ? Oui, globalement. Je pense, oui. Voilà. Donc, s'il y a la création de 13 000 emplois, 25% de ces emplois sont pourvus par des habitants des zones. Donc, finalement, ça fait 3 500 emplois pour 400 millions, et c'est des emplois qui ne sont pas très qualifiés. Alors, est-ce que c'est un bon investissement quand même ? Oui, je considère que c'est un bon investissement. Je crois qu'il faut voir les choses dans leur ensemble. Ce sont des entreprises nouvelles qui se sont implantées dans un quartier où elles n'existaient pas. Sans doute qu'il faudrait modérer ça, parce qu'il y a eu des effets de relocalisation d'entreprises marseillaises ou du pourtour marseillais vers les zones franches. Donc la création brute d'emplois était sans doute inférieure. C'est des emplois nouveaux qui ont été certes subventionnés par ces niches fiscales, mais qui ont le mérite d'exister. Aujourd'hui, avec 10 ans de recul, on s'aperçoit que ça n'a pas modifié fondamentalement les chiffres de l'emploi des jeunes non diplômés. Dans une ville comme Marseille, il faut quand même voir que pour les jeunes de 15 à 29 ans, les statistiques nous expliquent que nous avons un taux de chômage qui est de 21%, qui est absolument considérable. Et malgré tout, il n'a pas fondamentalement baissé en dehors des grandes tendances. Nous avons redonné espoir à toute une population qui n'en avait plus beaucoup dans ces quartiers-là. Ça a été une faculté d'entraînement pour l'agence de renouvellement, de rénovation urbaine. C'est un moteur pour le quartier et c'est une rénovation économique, sociale et urbaine du quartier qui a été faite, et ça c'est très positif. Actuellement, la seule chose qui a été traitée au niveau de ces quartiers, c'est c'est l'économie. Par contre, tout ce qui va avec, nous on attendait de la zone franche qu'à un moment donné, les gens qui sont venus travailler sur le secteur puissent être enracinés de façon à ce que à la fin des dispositifs, les gens, les entreprises, je veux dire, restent sur place. On n'a pas suffisamment de logements pour accueillir tous ces gens-là, des demandes, il y a d'énormes demandes au niveau du secteur. Pourquoi il y a un sursis si c'est une réussite ? Il y a un sursis parce que vous savez que ces zones franches font partie de ce qu'on appelle vulgairement les niches fiscales.
et que le gouvernement, pour lutter contre la dette de l'État, a décidé de supprimer ces niches. Le dispositif est poursuivi avec l'accord du gouvernement jusqu'en 2014. Mais nous souhaitons, nous, aller encore plus loin, c'est-à-dire aller déjà jusqu'en 2016. La véritable question, c'est pas de se dire qu'il fallait pas faire les zones franches et il fallait mettre l'argent ailleurs. C'est un peu plus compliqué, c'est de savoir où il fallait placer le curseur. Moi, personnellement, j'estime que si on avait pu investir 100 ou 200, voire 300 millions d'euros sur l'économie marseillaise, mais une économie qui soit une économie qui permette de diffuser et de faire percoler des emplois qualifiés vers des emplois peu qualifiés, on aurait été beaucoup plus performant et qu'on aurait aujourd'hui un taux de chômage qui soit inférieur. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les zones franches, elles ne peuvent pas remplacer une véritable politique de développement économique et notamment industriel. Vous parliez des entreprises qui sont venues s'implanter. Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène, une fois qu'elles arrivent au terme de leurs avantages, un phénomène où elles repartent, elles quittent la zone parce qu'elles ne bénéficient plus de ces avantages ? C'est un risque, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'il n'y a pas plus de risque que dans un cadre géographique hors zone franche. De nombreux appartements ont été transformés en lieux de bureaux. Et bon, le problème qu'il va y avoir, c'est que lorsque la zone franche va se terminer, ce seront des micro-friches, de bureaux, de locales, des locaux, je veux dire, qui vont rester rideaux fermés. Et qu'est-ce que ça va devenir ? Ça fait augmenter aussi, je veux dire, le prix des logements et le prix du foncier sur le secteur. Dernièrement, lorsque la zone franche était un petit peu en litige et on ne savait pas si elle allait poursuivre ou quoi que ce soit, nombreux sont les gens qui ont profité et qui se sont dit « il faut vendre maintenant avant que tout s'écroule ». Il y a aussi un reproche qu'on fait aux zones franches, c'est les boîtes aux lettres en guise de siège social. Oui, c'est un reproche qui est fait, qui à mon avis est un faux reproche, un mauvais reproche. Ça a été effectivement évoqué par certains. Peut-être qu'il y a quelques boîtes aux lettres, j'en sais rien, j'ai pas vérifié. Mais je dois dire que c'est extrêmement marginal. Il y a eu deux épisodes. Au début de la zone franche, ça foisonnait dans le secteur. C'est-à-dire, il y avait quatre boîtes aux lettres sur la même pas de porte. D'ailleurs, les gens achetaient au départ simplement l'autorisation de mettre une boîte aux lettres. C'est-à-dire, c'était des gens qui habitaient le quartier qui louaient leurs portes pour mettre des boîtes aux lettres. Je veux dire, on en était arrivé là. Bon. Après, il faut reconnaître qu'une fois que les choses se sont mises en place, la chasse aux boîtes aux lettres a été faite. Mais par contre, bon, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. C'est-à-dire, quand une entreprise qui choisit de mettre son siège social dans un endroit achète un local qui est en réalité une boîte aux lettres, parce qu'elle ne travaille pas, je veux dire, avec le secteur, on sait très bien qu'à terme, ces gens-là ne vont pas rester, puisque bon, y en a qui ont leur siège social ici et qui travaillent sur le sud de la ville. C'est pas intéressant, je veux dire, d'avoir un local ici, de travailler sur le sud de la... Donc tout ça, on sait qu'à terme, ce seront des activités qui vont disparaître. Sur le fond, c'est un cataplasme. C'est un cataplasme qui permet d'améliorer les choses. Et je ne le néglige pas, je trouve que c'est important, et notamment pour ceux qui sont au chômage et les jeunes qui ont besoin de ça. Mais il ne faut pas que ça serve à dédouaner le fait qu'il faut faire un effort encore plus important dans cette ville pour avoir une véritable stratégie de développement économique et industriel.